Dans ce tutoriel, je vous explique comment modifier facilement la police et la taille par défaut dans Excel en quelques clics. Ainsi, vous pourrez personnaliser l'apparence de vos fichiers Excel selon vos préférences. De plus, en personnalisant la police et la taille par défaut, vous gagnez du temps en évitant d'avoir à modifier manuellement ces paramètres à chaque fois que vous créez un nouveau classeur. En effet, lorsque vous ouvrez un nouveau fichier Excel, la police par défaut est définie sur Calibri avec une taille de 11. Mais vous avez la possibilité de choisir une police et une taille appropriées pour faciliter la lecture et l'analyse de vos données. Pour ce faire, vous cliquez sur Fichier, puis sur Options, ce qui ouvre une nouvelle fenêtre sur l'onglet Général. Dans la section Lors de la création de classeur, vous avez différentes options. Pour modifier la police d'écriture, en face de toujours utiliser cette police, vous ouvrez la liste déroulante afin de voir les différentes suggestions. Vous pouvez bien sûr utiliser la barre de défilement pour choisir une police, mais pour gagner du temps, vous pouvez également noter directement le nom de la police. Ainsi, en commençant à noter la police que vous souhaitez utiliser, elle apparaît dans les suggestions, vous la sélectionnez avec un clic gauche. Et de la même manière, pour modifier la taille, vous ouvrez le menu déroulant. Et pour cet exemple, je vais sélectionner 12. Pour continuer, vous confirmez ces modifications en cliquant sur OK. Vous avez alors cette boîte de dialogue qui s'ouvre, vous informant de fermer et redémarrer Microsoft Excel pour que les changements de police soient pris en compte. Vous confirmez en cliquant sur OK et vous fermez ce fichier en effectuant un clic gauche sur la croix en haut à droite. À présent, en ouvrant un nouveau fichier Excel et en choisissant un nouveau classeur, il s'ouvre bien avec la police d'écriture et la taille enregistrée. Toutefois, pour les fichiers déjà enregistrés, la police et la taille resteront celles qui ont été définies lors de la création de ces fichiers. N'hésitez pas à tester ces changements de paramètres pour personnaliser facilement vos fichiers Excel. Pour découvrir d'autres astuces et fonctionnalités sur Excel, vous pouvez cliquer sur le « i » en haut à droite de l'écran pour accéder directement au lien de la playlist. Maintenant, c'est à vous d'essayer. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et merci de prendre quelques secondes pour me dire si cette vidéo vous a plu en laissant un commentaire ou en cliquant sur le bouton j'aime. Merci.